to your favorite modern world. Salut tout le monde! C'est Kata qui a fait la publicité de l'album Ad Astra sur le réseau classé X. Dans sa longue liste de découvertes 2023 figurait ce duo de metal progressif instrumental américain et leur dernier album 8 titres. Je ne suis pas forcément fan d'albums instrumentaux et ce n'est pas le dernier morceau, End of Time, qui lui est chanté, qui a fait pencher la balance du bon côté. Je pense que c'est plutôt la richesse des styles et des sons qui m'a séduite. The Resonance Project se compose de Yas Nomura à la guitare et à la basse, ainsi que le Lang Zhao à la batterie aux arrangements, comme ses chœurs à la Pink Floyd dans le titre album. De nombreux invités accompagnent le duo sur Ad Astra, deux artistes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui, je l'avoue, apportent d'autres sonorités aux compositions des deux musiciens. Pour la musique, si vous connaissez Pliny, vous êtes en terrain conquis. Le groupe joue d'un metal progressif chant à guitare au feeling jazzy. Bon, vous savez sans doute combien j'aime les cuivres. Avec Prophecy, je suis servi. La trompette de Aaron Janik éclaire le metal prog électro de sublime manière. À côté de cela, Void donne dans le djent expérimental nettement moins mélodique, le genre de truc qui réveille les morts, et Macrocosme, qui suit, tabasse pas mal également. Mais dans l'ensemble, Ad Astra se révèle très mélodique et cinématique, secoué ici ou là par de belles doses de poutrage. Gem est la pièce très jazzy de l'album, dans laquelle Adrien Ferraud nous donne une belle leçon de basse claire sur la mélodie de Yas. Une atmosphère à la Brésil pour ceux qui connaissent le film. J'avoue que End of Time, avec la voix de Dino Jelusic, me laisse dubitatif. Les premières secondes chantées, Rain Seem Like, etc., sonnent vraiment bancales à mes oreilles. Mais dès qu'il part dans un registre crié, limite growl, cela devient vraiment excellent. Et même lorsqu'il revient au chant clair, vers la cinquième minute, c'est encore très bon. Je recommande chaudement Ad Astra aux amateurs de métal progressif instrumental. Vous pouvez le découvrir comme je l'ai fait sur Bandcamp, et plus si affinité bien sûr. Encore une fois, merci à Kata pour la découverte, et pour celles qui viendront. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aimerez cet album. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles découvertes. Bisous !